Monsieur le Président, voilà à présent bientôt un an. Je perdais successivement mon bien-aimé père, puis mon cher frère, tous deux victimes de la Covid-19. L'épidémie en France était à ses tout débuts et les hôpitaux se préparaient, semble-t-il, déjà depuis un moment à l'idée de savoir comment et dans quelles circonstances le patient zéro se présenterait à eux. Accueillis dans nos hôpitaux, dans la précipitation, la confusion et dans l'incompréhension, ils ont malheureusement fait les frais de protocoles souvent humainement difficiles à supporter et que l'on pensait nécessaires pour se protéger de cet ennemi invisible. Nous, les familles, avons souffert et continuons à ce jour de souffrir de ne pas avoir pu accompagner nos défunts dans ces moments extrêmes de leur vie.